Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Cœur et Plus. J'espère que vous allez bien. C'est notre première vidéo de l'année 2022. Alors, je voulais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette année. Je souhaite que vous accomplissiez vos objectifs, que vos rêves se réalisent, que vous avez la santé, le bonheur, l'amour, la joie. J'espère vraiment que cette année sera une très très belle année pour tout le monde. Donc, en ce qui me concerne, je suis encore là. Je serai encore avec vous pendant toute l'année sur YouTube. Donc, c'est mon plus qu'un souhait pour ma chaîne se développer, faire des vidéos qui a de l'intérêt pour vous, des vidéos qui vont vous être utiles. Donc, j'espère vraiment que vous serez là avec moi aussi, que vous allez m'accompagner de la meilleure manière que vous pouvez. Donc, en vous abonnant, en commentant les vidéos, vraiment toutes les vidéos, il faut les commenter. Et puis, en les likant et aussi en les partageant avec votre communauté, vos réseaux. Donc, c'est parti pour la première vidéo de l'année et on va parler des bonnes résolutions. Aujourd'hui, je suis venue vous dire qu'il ne faut pas prendre de bonnes résolutions. Attendez. Je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Les bonnes résolutions sont devenues un sujet de dérision sur les réseaux sociaux. On voit partout passer des images, okay, des mèmes qui disent « ben oui, on va prendre de bonnes résolutions pour ne plus les tenir tout le long de l'année » et c'est la vérité. Personne ne tient absolument toutes ces bonnes résolutions. Oui, arrêter de fumer, dépasser moins. C'est une liste qu'on a bâtie un petit peu sans réfléchir, pour faire un petit peu comme tout le monde, ou bien parce que c'est la chose à faire et qu'on a toujours conseillé de le faire. Et vraiment, on n'a pas bien réfléchi à toutes ces choses-là. Donc, on a une liste longue comme ça de bonnes résolutions. Et puis, voilà, on oublie tout, on passe à autre chose, on vit sa vie, et c'est normal. Et c'est normal parce que les bonnes résolutions n'ont jamais l'effet escompté, c'est-à-dire de nous faire grandir, de passer une bonne année. Au contraire, ça ajoute sur notre pression sociale, sur notre manque de confiance en nous, parce qu'on a mis toutes ces choses dans une liste qu'on n'a peut-être même plus regardé depuis, mais à la fin de l'année ou au milieu de l'année, on se rend compte que mais non, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas pu arriver à tenir ma résolution et ça dégrade un petit peu la confiance en soi. Ça encourage la comparaison pour dire, bien, regarde ce que cette personne a fait, moi, je ne suis pas arrivée à ce que je voulais et tout. Donc, les bonnes résolutions, d'ailleurs, le mot résolution, soit c'est un petit peu trop dur. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas ainsi faite. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des imprévus, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas tout contrôler. Et être résolu absolument à faire telle chose ou telle chose, ça envoie un petit peu de stress qui conduit un petit peu au burn-out et arrive même à la dépression. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas prendre de bonnes résolutions. Dans mon cas, je préfère parler de perspective, je préfère parler de projection, je préfère parler d'intention. Je trouve que le mot intention résume vraiment très bien ce qu'on veut faire, ok? C'est exactement ça. Moi, personnellement, je ne suis pas pour vivre ma vie, passer une année sans planifier, sans objectif, etc. et voir ce qui va se passer demain. Je sais que même si on passe des heures à planifier notre année, ça ne veut pas dire que ça va se passer exactement comme c'est. Demain, on va peut-être recevoir une nouvelle qui va tout changer. Et on a fait l'expérience en 2020 avec la pandémie, ok, de COVID-19. Donc, c'est une situation qui a changé pas mal de choses dans tous les milieux, que ce soit scolaire, tourisme, médical, etc. Donc, la COVID-19 a apporté pas mal de changements et c'est des changements qu'on ne savait même pas qui allaient se passer. Et c'est ainsi, parce que dans tous les aspects de la vie, on va pas pouvoir planifier notre année et suivre à la lettre exactement tout ce qu'on a tracé. Donc, qu'il s'agit de bonnes résolutions, qu'il s'agit d'intentions, etc., on va devoir se faire à l'idée qu'on ne peut pas tout contrôler et que tout ne va pas se passer exactement comme prévu. Déjà, c'est pour ça qu'il faut lâcher prise sur exactement les résultats qu'on souhaite. Mais, comme je vous dis, je suis d'avis qu'on doit quand même avoir un guide, qu'on doit quand même avoir un plan, une petite boussole qui peut nous guider. Il faut gérer la pression sociale. Il faut gérer le fait que ces objectifs peuvent changer et que de toute manière, on ne va pas rester la même personne. Au cours de l'année, on va
devoir faire face à des épreuves, à je dirais, des accomplissements, donc qui vont peut-être changer qui nous sommes, qui vont changer nos désirs, nos rêves, nos objectifs et tout. Ça va demander certaines fois qu'on ajuste certaines intentions qu'on a. Donc, parler d'intention, parler de perspective, de projection, déjà, ça assouplit l'idée du résultat qu'on veut inspirer. Parce que c'est bien d'avoir des intentions et de travailler pour les réaliser. Ça, c'est une autre vidéo. On va parler vraiment de comment réaliser ces intentions. Mais il faut vraiment travailler pour pouvoir réaliser ces intentions-là. Et puisque dans ta tête, c'est déjà des intentions, des choses que tu projettes de faire, c'est des perspectives, si le résultat escompté n'est pas exactement le même, tu ne sens pas l'échec comme quand tu parles de résolution. Parce que les résolutions, c'est tellement ferme, c'est tellement dur, c'est tellement obligatoire, tu vois. Ça augmente la sensation d'échec au cas où des plans devraient être changés. Du coup, cette année, je t'invite, si tu es tout le temps là à prendre de bonnes résolutions pour ne pas les tenir, ok, je t'invite à faire l'expérience de prendre des intentions. De préférence, de faire des projections pour ton année, de t'asseoir un petit moment avec toi-même dans une bonne ambiance, ok, comme tu te sens bien, et de dire exactement quelles sont tes perspectives pour cette année. Comment est-ce que tu vois ta vie cette année? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Quel sujet te tient à cœur? Quel projet te tient à cœur que tu aimerais vraiment te donner à fond sur ça? Et tu vas devoir te secouer le popotin pour arriver à ces résultats. Et aussi, il faut lâcher prise. Il faut apprendre à lâcher prise parce que ça ne va pas venir d'un coup. Ok? Donc, c'est déjà un travail que tu dois faire avec toi-même pour accepter le fait que les choses changent, pour accepter le fait que tu ne peux pas tout contrôler dans la vie. Voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je t'annonce déjà que ce mois de janvier, je vais vraiment faire de très petites vidéos comme ça pour te motiver, pour t'aider à démarrer cette année, je dirais, avec plus de confiance en toi, avec plus de bagages pour pouvoir réaliser tes objectifs. Si tu connais une personne qui, tous les ans, a une longue liste de bonnes résolutions qu'elle n'arrive même pas à tenir, je sais que dans certains groupes d'amis, de des familles, ça peut être un sujet de dérision, de blagues, etc., de moquerie sur certaines personnes qui tiennent à longueur d'année une longue liste de bonnes résolutions et qu'elle n'arrive même pas à tenir. Je t'invite à envoyer cette vidéo à cette personne pour lui dire cette année qu'elle doit lâcher prise, qu'elle doit avoir des intentions et un plan pour réaliser ses intentions et de faire confiance au processus, de laisser la vie suivre son cours et voilà, d'en profiter. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle te sera utile. Bye tout le monde, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Cœur et Plus.